Qu'est-ce que t'as encore? Ah, je sais, c'est tes cheveux. Haha, très drôle. Non, c'est juste que j'ai pas d'idée de vidéo. Et qu'est-ce que tu voulais tester? Le dernier aspirateur qui aspire et qui passe la serpillière en même temps? Oui, d'accord, non mais on est une petite production, c'est trop cher ça. Oh. Bon bah tiens, regarde quand même. Merci. Quand je peux aider. Attention, clin d'œil de Grisou dans 3, 2, 1. Mais pas mignon. Alors si comme moi vous en avez marre de donner votre téléphone à vos enfants pour qu'ils écoutent leur musique, bah oui, hein, vous avez peur qu'ils le fassent tomber, qu'ils le cassent, ou alors juste parce que vous êtes quelqu'un de très demandé, comme moi par exemple, et qu'on n'arrête pas de vous appeler sur votre téléphone, du coup ça coupe, vos enfants pleurent, vous n'entendez plus rien. Je pense que votre ami derrière le téléphone a les oreilles qui saignent, et c'est comme ça que l'on perd des amis à cause d'une musique. Donc on va tout faire pour ne pas en arriver là, et ça sera peut-être grâce à ça. Moi j'ai payé le mien 26,09€ parce qu'il y a un code de 10%, voilà, je crois qu'il y a encore. Il existe aussi en bleu mais il n'était pas disponible au moment où moi je l'ai commandé, donc à voir s'ils l'ont remis. Sinon de base sans la réduction il coûte 29,99€. En lisant la description de ce MP3, les promesses sont vraiment incroyables. On va regarder les plus importantes. Donc ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 8Go de musique, ça équivaut à peu près à 4000 chansons. On peut aussi rajouter une carte SD jusqu'à 128Go, donc vraiment il y a de quoi faire. On peut mettre des photos, des vidéos, des livres, on peut écouter la radio, s'enregistrer, mettre un réveil, il y a la fonction Bluetooth, le blocage du volume, le verrouillage des touches, T-berceuse, et tout ça comme je vous ai dit pour la modique somme de 26,09€ et de 29,99€ sans la réduction. Avec, ils fournissent une dragonne. Franchement, j'ai essayé par tous les moyens de la rentrer dedans. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si vous voyez. Alors non, on voit rien. Mais merci quand même. Il y a deux minuscules trous. Franchement, c'est... C'est relou. C'est ça le mot que tu cherchais. Tu vois, au début, t'es de bonne volonté. Oh, j'ai cru que j'allais y arriver devant vous, alors que ça fait 10 ans que j'essaye. Voilà, donc t'arrives à le rentrer dans un. Mais le deuxième, bah, ça ressort pas. Donc du coup, lui, il ressort. Ce moment de la vidéo est vraiment passionnant, merci. Et voilà. Donc je disais, il y a une magnifique dragonne. Bien sûr, j'ai déjà testé ce MP3 avec les enfants avant de vous faire cette vidéo. Oui, l'intro, tout ça, c'était juste pour que vous admiriez les talents d'acteur de Grisou. Qui a le droit à sa récompense après tant d'heures de tournage? C'est bon? Bon, allez, on regarde tout ça ensemble. Donc comme ils disent, vous avez le petit clavier en forme d'oreille de Mickey. Voilà, il se remet en veille, ça vous pouvez choisir au bout de combien de temps il s'enlève et il se remet. Ce qui est un peu compliqué au niveau de... comment on dit ? Ergonomie ! Ergonomie, je viens de te le dire. C'est de l'ergonomie ? Je sais pas. Oh, on m'écoute jamais. En fait, pour naviguer dans les menus, donc vous voyez, là, il y a les flèches. Là, je suis sur musique. Là, je suis sur dormir. Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir descendre, donc d'appuyer sur le moins. Mais le moins, c'est pour régler le volume. Donc c'est vrai que les enfants ont tendance à faire ça, et moi aussi d'ailleurs. En fait, il faut toujours appuyer sur les flèches droite et gauche pour se balader à travers les menus, et on ne peut pas appuyer en bas. Donc on est d'accord, niveau ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour des enfants. Malgré tout ça, Milo qui a 5 ans y arrive très bien quand même. Ok. Bon, après, okay. Il est peut-être juste très doué comme sa maman. Voilà. Bravo. Alors la musique, vous pouvez soit brancher les oreillettes qui sont fournies avec ici, soit activer le mode haut-parleur. Donc moi j'ai activé le mode haut-parleur, à savoir que c'est le contraire. Quand vous l'activez, il est désactivé, et quand vous le désactivez, il est activé. Bon, faut pas chercher à comprendre. Je vous le dis, sur les deux que j'ai reçus, c'était comme ça. Donc bon, voilà, vous verrez. Donc la musique, on clique au milieu pour valider. On va dans tous les titres. Et bon, bah je vais vous mettre une musique libre de droit, hein, sinon YouTube ne sera pas content. Voilà, on règle le volume. Et vous avez la photo de l'album.
Alors, ce qui est dommage, c'est que le son, il sort ici et pas devant. Donc, quand vous le posez, bah, il faut que l'enfant, il pose comme ça. Et bon, à force, ça risque peut-être de rayer un peu l'écran, puis c'est pas trop logique. Mais bon. Photos, c'est ici et là vous avez toutes vos photos. Voilà, on voit pas très bien à la caméra, mais en vrai on voit bien. Alors les vidéos, c'est un gros point d'interrogation, donc en fait bon, là aucune vidéo trouvée, mais en fait quand je les mets dessus, j'ai fait ce qu'on m'a dit et ça marche pas, ça met que le format n'est pas pris en charge. C'est vrai que ça revient pas mal dans les avis, les gens galèrent, moi aussi. Pourtant j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai demandé au service client, donc ils disent qu'il faut que ça soit un format 240x320, soit AVI soit AMV, enfin je sais pas si c'est la même chose. En tout cas je l'ai fait sur le logiciel de montage et j'ai essayé plusieurs trucs et ça marche pas. Et si vous y arriver, bah écoutez, mettez-moi un petit commentaire et expliquez-moi, parce que je serais curieuse de savoir, je n'y arrive pas. Les livres, c'est ici dans outils, là il n'y en a pas, alors je sais pas comment ça fonctionne, moi je, enfin, j'ai pas de livres comme ça que j'ai téléchargé, je sais pas, si vous avez l'habitude en tout cas sachez que l'option existe. Écouter la radio, c'est ici. Alors au début ça marchait pas, je comprenais pas, mais en fait la radio vous pouvez uniquement l'écouter avec les oreillettes. Je l'ai fait et ça fonctionne. Pour s'enregistrer, c'est ici dans outils et c'est dictaphone. Voilà, démarrer l'enregistrement. Ça met un peu de temps. Hein. Ah, on a le temps. Bah, Grisou fait aussi de l'ASMR, donc je vous laisse en profiter, c'est cadeau. Hop, hop, je vous vois, on ne s'endort pas, le dictaphone est prêt. 1, 2, 1, 2. Sauvegarder l'enregistrement, oui. Voilà, et en fait, bibliothèque d'enregistrement, et là, vous retrouvez votre enregistrement. Donc, il y a plusieurs formats pour les enregistrer. Enfin, bref, ça fonctionne, hein, regardez. 1, 2, 1, 2. Et la palme d'or pour la voix la plus stressante est attribuée à... Une dernière petite astuce, vous pouvez enregistrer les poésies de vos enfants dessus. Ça leur permettra de les écouter un petit peu partout, même avant de se coucher. Ça fait travailler leur mémoire. Voilà, c'est la technique que j'adopte aussi avec la Luni, la fabrique à histoire. Je vous mets le lien de la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, reviens là toi. Voilà, vous voyez ce petit point là ici, ce petit trou. Ben voilà, faut pas mettre son doigt dessus parce que la première fois que Léane a enregistré sa poésie, bah on entendait quasi rien. Donc faut faire attention parce que bah en fait souvent on le tient comme ça. On a vite fait de mettre ses mains derrière. Tenez-le comme ça pour enregistrer la poésie et il y aura aucun souci. Le réveil. Donc il y a réveil et chronomètre. Réveil. Vous pouvez mettre carrément une musique que vous avez mis sur votre MP3 ou des musiques incluses dedans. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi le chronomètre. Voilà, vous en avez 4. Voilà, si vous voulez chronométrer 4 personnes qui font la course, bah achetez ce MP3. Le Bluetooth, donc c'est dans les outils. On va dans Bluetooth, logique, on l'active. Voilà, et ici vous pouvez voir le petit symbole. Alors ce qu'il faut savoir avec le Bluetooth, et c'est ça que j'avais pas compris, donc je pensais qu'il fonctionnait pas. En fait, c'est que c'est un émetteur. C'est pas un récepteur, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre de la musique, par exemple vous n'allez pas pouvoir vous mettre sur YouTube sur votre portable et que ça sorte sur le MP3. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'il va vous falloir par exemple une enceinte, vous allez choisir votre musique grâce au MP3 et ça va sortir sur l'enceinte, d'accord? Bah ok, d'accord, hein, si tu le dis. Ou sur un casque Bluetooth par exemple, mais ce n'est pas un récepteur, voilà. Donc ça il faut le savoir par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Donc là je vais vous montrer pour la connecter, donc moi je vais allumer l'enceinte. Les passagers à destination du vol 711 Tahiti, voilà, sont priés de se présenter porte 2. Ici, voilà. Donc vous, quand ça sera la première fois, il faudra faire rechercher un appareil. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais dans ma liste d'appareils et on voit qu'elle apparaît. Bon, si je clique dessus, ça me demande de déconnecter, c'est qu'elle est connectée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les musiques. La lecture. Voilà, donc... Vous vous rendez pas forcément compte, mais ça sort bien de là-bas. Le verrouillage, enfin le blocage du volume, donc c'est dans réglages et limites. Voilà, pour limiter le volume. Et là, ben, vous le limitez à
par exemple, on va le mettre à 17. Donc l'enfant ne pourra pas aller au-delà de ce volume-là. Donc si vous retournez dans les musiques, voilà, vous voyez, je peux pas aller au-dessus de 17, c'est bloqué. Donc ça, franchement, c'est top, hein. Le verrouillage des touches. Donc on reste appuyé sur le M et ça verrouille les touches. On va faire une blague à mon frère, on va le bloquer. Milo, viens choisir une musique. Ok, ça sera plus belle. Mais comment j'avance? En avance? Non, mais oui, en haut. Mais regarde, maman, si j'appuie sur la croix. Mais si j'appuie sur la croix, ça fait ça, si j'appuie sur la croix. On voit tout de suite la peine que ressent Léane pour son frère. Elle vole à son secours. Qu'est-ce qu'il y a, Milo? Mais... Ah. Quoi? Mais regarde, quand j'appuie sur la croix, t'as fait ça! Bon oui, hein, sa patience a des limites. Oh! Mais appuie encore! Il marche plus? Où le regard? C'est celui-là. Vous pouvez apprécier la résistance des touches également. T'es con. Tiens! Ah bah voilà, il s'est calmé. Viens Milo, on te montre. En tout cas, c'est pas beau, hein. 2 contre 1 contre mon fils, le pauvre. Viens, on te montre. C'est mon cousin. Tiens, prends-le. Bon, ça va tout de suite beaucoup mieux. On peut tout de suite lire la joie, hein, sur son visage. Et appuie longtemps sur le M. Est-ce que tu vois le M? Reste appuyé longtemps. Là. Vas-y. Et parce que vous avez fermé. Ouais. On l'avait bloqué. Et bien sûr, c'est moi la reine. Merci Léane pour cette intervention. Vous m'avez fait une... Donc voilà les 10 berceuses pour dormir. Donc c'est beaucoup de sons blancs, on appelle ça, hein, le bruit de l'eau, le bruit de l'air, des oiseaux. À ton avis, est-ce que je valide? Et oui, je valide. Alors c'est sûr que c'est pas le MP3 le plus parfait de l'année, mais franchement, pour le prix, je trouve que ça coûte toujours moins cher que de te racheter un téléphone que ton enfant a explosé par terre. Ça, c'est le premier bon point. Après, je trouve que c'est bien, il n'y a pas d'écran, parce que même à chaque fois qu'on leur met le téléphone, ou même si je leur mets les clips par exemple sur la télé, j'ai pas forcément envie qu'ils regardent les clips, ça fait encore des écrans, il n'y a pas toujours des belles choses à voir pour eux. Donc voilà, là par exemple, ils se le mettent même le matin avant d'aller à l'école, ils se mettent leur petite musique. Je trouve ça sympa. Le service après-vente aussi est très bien, j'ai eu affaire à eux parce que j'ai eu un souci avec le premier que j'ai commandé, en fait il ne tenait pas du tout la charge, on écoutait à peu près 10 musiques et il s'éteignait. Donc je les ai contactés, j'ai contacté Amazon qui m'a proposé un remboursement, je leur ai expliqué que c'était pas un remboursement qui m'intéressait parce que ce MP3 je le voulais, mais j'en voulais simplement un qui fonctionne. Donc ils m'ont donné le mail du vendeur, et en fait le vendeur il répond super rapidement, il m'a proposé de me le changer, je l'ai reçu rapidement et c'est celui-là, voilà, qui lui fonctionne très bien. Il est garanti, hein, donc ça aussi c'est bien. Et puis voilà, le service client d'Amazon, franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Donc voilà, vous prenez pas de risque. Petite pause, je suis tellement douée que ma caméra n'a pas filmé les points négatifs, donc je vais vous les dire. Mais pour ne pas vous obliger à me regarder dans cette magnifique position, je vous laisse admirer des images en rapport avec le MP3, bien sûr. Je disais donc les points négatifs, comme on a vu tout à l'heure, l'ergonomie, les menus, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à utiliser pour des enfants. Eh, vous m'écoutez plus. Je savais que j'allais vous perdre au petit cochon qui sort du bain. Et tant pis pour vous, hein, je vous remets les vraies images du MP3. Je disais donc en point négatif, il y a aussi le haut-parleur qui est placé derrière le MP3, comme on a vu tout à l'heure. C'est pas très logique, c'est pas super pratique. Son aspect général ne fait pas hyper qualitatif. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le prix et pour ce que les enfants vont en faire, je vous le recommande quand même. Alors après, ça ne reste que mon avis et ma propre expérience. Vous en faites ce que vous voulez. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochains tests, des prochaines astuces qui vont bientôt arriver. Donc je te dis à très vite dans une autre de mes vidéos. Ciao! Et c'est le Melimelo! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon!